allez les lions indomptables, marchez la tête haute, c'est vous les rois de la forêt. Sortez, sortez l'eau vive, des premières aux couleurs. Rugissez, rugissez, gagnez tous les trophées. Qu'au berceau des ancêtres, vous serez logés. Comme en 1972, le Cameroun finira donc troisième de la CAN. Les amis, j'espère que vous allez bien malgré l'élimination du Cameroun face à l'Égypte. Le Cameroun se retrouvait aujourd'hui pour la petite finale face au Burkina Faso et on a vécu un match sincèrement à demi-teinte. Comme d'habitude, un Cameroun en réaction qui est mené 2-0 à la mi-temps et qui est même mené 3-0 après 5 minutes. 5 minutes après la rentrée des vestiaires et là, on va assister à une remontada de la part de l'équipe du Cameroun. Le Cameroun qui réalise une remontada en Fandena, qui rend encore ce stade mythique. Déjà, il faut savoir que le Cameroun n'a plus perdu justement sur ce même stade en Fandena depuis 1972. Donc, ça fait près de 50 ans. Et là, voir le Cameroun perdre, c'était vraiment une désillusion. Perdre en Fandena, ceux qui savent, normalement, ça s'appelle le stade Amadou Ahidjo, mais le public camerounais, le Chaba entre guillemets, l'a surnommé le stade Fandena. Fandena, c'est l'autochtone, quartier autochtone du, là où le stade est construit. Donc, on s'acheminait donc vers une victoire du Burkina Faso, mais le Cameroun a fait donc cette remontada pour aller s'imposer bizarrement au tir au but où ils avaient été éliminés contre l'Égypte au tir au but. Et là, ça laisse encore beaucoup plus de regrets parce que les tireurs qu'on a vus cette fois-ci n'étaient même pas parmi les tireurs contre l'Égypte. Là, on a vu des tireurs. C'est ce qu'on a demandé au coach. Les tireurs confirmés, c'est-à-dire quoi? Des joueurs qui assument leurs responsabilités. Là, on a vu Aboubakar tirer en premier. On a vu Muminga Malheu. On a vu Kalto Kwekambi. On a vu Koundéman. On a vu des joueurs qui ont assumé leurs responsabilités, ce qui n'avait pas été le cas lors de la demi-finale face à l'Égypte. C'est les remplacements qu'Antonio Contessao avait fait. Il avait fait sortir des joueurs cadres pour faire entrer une équipe beaucoup plus jeune. On avait pensé comme ça à Ron Mukundi, à Léa Siliki et tout. Et même s'il y avait des cadres face à l'Égypte qui n'avaient pas tiré, ça laisse beaucoup de questions. En tout cas, je vous avais dit, je vais revenir à froid sur l'élimination du Cameroun face à l'Égypte. Là, on se retrouve pour parler de ce match qui a eu lieu face au Burkina Faso. Mais avant de commencer cette vidéo, les amis, j'aimerais remercier mon frère et ami de longue date, mon frère Sanusi Bado, mon frère burkinabé Sanusi Bado, qui a tenu à m'envoyer ce maillot. Vous savez tous que j'adore ce joueur, Gustavo Sangaré. J'adore énormément ce joueur. Donc, mon frère Sanusi Bado est tenu à m'envoyer ce maillot pour notre amitié. Il sait bien que j'aime ce joueur. Il a décidé de m'envoyer ce maillot. Donc, je lui dis un grand merci et je lui fais cette dédicace. Merci mon frère Sanusi Bado. Je vais porter ce maillot à la fin de la vidéo. Donc, en commentant le débrief de ce match, sincèrement, grosse déception. Grosse déception. C'est vrai que le coach Antonio Contessao a beaucoup fait tourner parce que les seuls titulaires, il y avait Onana et Umgwet. C'était les seuls titulaires. Remaniement total de son équipe pour permettre à l'équipe B de jouer. Et là, sincèrement, ceux qui veulent souvent voir beaucoup de joueurs de l'équipe B, on a vu. Et sincèrement, il y en a qui se sont remarqués, comme par exemple Onana, qui a fait un bon match. Ambroise Oyongo, qui sort de blessure et qui n'a presque pas le temps de jeu, a aussi pu lever sa tête de l'eau. Mais sincèrement, Bassogog et Kidog Bassogog, Aaron Mukundi aujourd'hui, ça n'a pas été ça. Baïso, un peu moins. Baïso est comme le Baïso qu'on a l'habitude de voir. C'est pas trop ça dans la communication. Déjà sur le premier but, on voit, je vous avais dit, Bassogo n'a pas. Offensivement, il peut apporter, mais défensivement, le retour défensif laisse à désirer. Et sur le premier but, vous pouvez bien voir, il est en retard sur son vis-à-vis. Ça va faire 1-0. Mais le deuxième but, là, énorme boulette d'Onana. Sincèrement, Onana, on te dit à chaque fois que tu as tu es talentueux, oui, tu es le gardien modèle, mais tu as cette faculté à gérer facilement, tu as l'impression que tu veux dégager une sérénité, mais ça laisse transparaître un manque de concentration. En fait, regarde le but. Là,
le ballon, tu le prends facilement, tu n'es pas appliqué et ça paye cash. Dans les petits détails comme ça paye cash. Et là, ça va toujours créer ce cru dans les supporters du Cameroun. On va toujours penser à Ondoa parce que Ondoa, on peut dire ce qu'on veut. Peut-être qu'il n'a pas de club et tout, mais il est appliqué et il est volontaire. Et c'est ce qu'on demande. Tu as le talent, tu as tout ce qu'il faut, mais tu laisses toujours transparaître une sérénité qui peut te jouer des tours. Et c'est ce qu'on a vu là. Donc, et le Burkina va mettre le 2-0, retour de vestiaire 3-0. Et là, sincèrement, ça s'annonce compliqué. Le public qui se retourne contre les joueurs, qui commence à huer les Camerounais, qui commence à supporter les joueurs burkinabés. Et là, à la mi-temps, le coach n'a pas hésité. Il fait sortir Bassogog, il fait sortir Ganago et il fait entrer Aboubakar, Kalle Toko-Ekambi, Mouminga Maleu. Et là, le Cameroun commence à mettre la pression. Et sur un corner, deuxième ballon, Baroken lance la remontada. Et après, Kiddo pour poursuivre Aboubakar avec un deuxième 3-2 et avec un 3-3 sur une mauvaise appréciation du gardien burkinabé et Aboubakar qui porte donc son nombre de buts à 8 buts, les amis. Il a failli égaler le record de l'histoire des CAN que détenait Malomba, le Congolais, qui a 9 buts dans une édition de la CAN. Mais là, il dépasse Benni McCarthy et Oussama Sane, l'Égyptien, excusez du peu, parce qu'eux, ils étaient à 7 buts sur une CAN. Et c'est un record qui date depuis très longtemps. Mais il ne battra pas le record de Malonga, le Congolais, qui est à 9 buts. Donc, victoire du Cameroun au pénalty. Maintenant, on a vu des Camerounais plus appliqués et qui ont tiré comme il fallait. C'est pour ça que ça laisse encore beaucoup plus de regrets, parce que là, on a vu des tirs au but, des hommes appliqués et concentrés qui ont tiré comme il fallait. Donc, victoire, le Cameroun finit troisième. C'était bien de finir troisième quand même que de finir quatrième. C'est mieux. À froid, on fera une analyse du Cameroun en CAN et on discutera du coach, des joueurs. Il y a eu un problème aussi, Choupo-Moting. On reviendra dessus et on va en parler. Ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. À chaud, à froid, on prendra les bonnes décisions et on va discuter ensemble comme d'habitude. Donc, les amis, voilà. Le Cameroun, donc, finit troisième. Et demain, il y a la finale entre le Sénégal et l'Égypte. Dites-moi déjà en commentaire qui vous voyez gagner. Voilà. On se quitte sur cette vidéo. Ça ne sera pas la dernière vidéo du Cameroun. Il y aura en mars l'Algérie et tout. Et entre-temps, comme d'habitude, je mettrai des vidéos. Donc, voilà, les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!